Et salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour un... Alors deux secondes. Voilà, on se retrouve pour le nouvel event, l'event de l'éveil. Qui est lié un peu à Lifeline, voilà pourquoi. Voilà, un nouveau skin. Alors on va checker ça. Alors ça va être pour qui? Alors Pathfinder et H. Éveil. Alors c'est quoi la musique? Eh pas mal. Eh pas mal du tout la musique. Chemin de la gloire. Oh il est brillant en tout cas. Alors pour le Bocek et le Havoc. Ah pas mal ça. Furie reptilienne, je comprends. Ça c'est veuvage. Ok. Alors. Sire. En galore. Newcastle. Ah c'est les mêmes. Alors les skins. Alors rempart sans limite. Un horizon, mer au cœur atomique. Ah ouais, un peu comme Iron Man en fait. Waouh, instinct animal. Le canon derrière. Attitude envieuse. On dirait un Power Rangers, sérieux. Le couteau derrière. Non, sérieux, avec le casque, on dirait pas Power Rangers. Power Ranger vert. Alors, actrice rebelle. D'accord. Waouh, Louve suprême. Eh ben putain. Et enfin, H. Waouh, menace existentielle. Et la nouvelle arme, c'est pour. Valkyrie. Une lance sous à coup. J'avais vu le skin de Lifeline. Merdoum. Non, il est pas là. Ne me dis pas que... Oh, j'y crois pas, les enfoirés. La wingsuit qu'on voit dans le truc. Dans le métrage. Et en plus, il y a aucun et on voit enfin sa gueule. Bon, par contre, ça, c'est dégueulasse. Ça veut dire que je peux pas l'acheter. Parce que moi, j'ai un budget derrière. Putain, je le voulais ce skin. Bon bah. Oh, c'est quoi ça? Oui. Eh. Il a détruit Hack. Nickel. Ah, est-ce qu'un jour j'aurai un ou moins une de ces armes? J'espère. Hein. Parce que ceux qui me font envie, c'est. Bah, du coup, Crypto, Valkyrie, faut Revenant, Caustic, Octane. Pathfinder. Et c'est le retour du point de contrôle, mais on le fera plus tard. Vous inquiétez pas, je le ferai. Là, je vais aller me concentrer. Ah, bah déjà, ça c'est cool, mis ça sur point de dégâts. Ça c'est cool qu'il l'ait mis. Allez, on se retrouve pour, pour le retour du point de contrôle. A très vite. Non, non, mais non, 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 juste non. J'avais des coéquipiers nuls. Ok, ça compte pas. En plus, j'ai fait que deux frags. Pfff.
Bon, j'espère que vous vous êtes bon, moi. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre Gibraltar, tiens. Bon, soyez pas cons, les mecs. S'il vous plaît, soyez pas cons. Ok, c'est parti. On prend le point. Voilà, prêt pour ça. C'est bon, on a le point. On va aller chercher les autres. Ah bah eux aussi du coup. Bon, on a été. Et merde! Bon, bien joué. Ah, là, ça marche. Ouais, bien joué, les mecs. Bravo, 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 bravo. Oh, moi, par contre, j'ai merdé comme un con. Bon, je l'ai eu. Oh, flingue avec le P20, cette arme de merde, hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, j'ai fait ça, il n'y avait plus personne. Enfin, bref. J'en ai eu un. Bien joué les autres. Oui, oui. Non, 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 non. Je me casse. Ok. Mais aïe, mais j'en ai marre. Un petit coup de main les gars, s'il vous plaît. Putain, mais comment? Mais vas-y. Oh, il est sérieux lui. Oh là là, mais le boulet que j'ai eu comme compagne, comme coéquipier. Mais sérieux? Mais ils arrivent de tous les côtés! Oh non, oh non, oh non!
putain, viens ici. C'est bon. Ah, j'en ai eu un. Merde. Je l'ai eu. C'est bon, on est en train de prendre le point. Nickel. Merde, merde, le point, le point. T'es sérieux là, mec? Pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi! Merde! Dégage. Ah, c'était moi le leader du public. J'ai fait 5 frags. Wow, arme en or. C'est la zone B. Aigné contre moi. Non, 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 le bonus. Le bonus. Grenade, tout le monde aux abris, comme dit Roxane. Putain, les gars, t'es qui? Bah oui, mais les mecs, vous avez pas attaqué. Eh ouais. Putain, ils sont tous venus dessus. Hein.
Les gars, j'aurais besoin d'aide là. Putain, non, ils sont en train de gagner là. Putain, mais non. On est en train de... C'est bon, là, c'est nous qui gagnons. Putain, les bonus, c'est vraiment... C'est vraiment des trucs dégueulasses. Allez, allez, faut plus qu'ils prennent. Il est sérieux là? Oh putain! Dégage. Viens à toi. Allez les gars, c'est pas moment de merder là. Allez, va plus vite, s'il te plaît. Est-ce que c'est toujours moi? Blanc. Merde, les points. Non, c'est bon, on a gagné. Fouh. Eh ouais, on a gagné. Hop là. Neuf frags, l'autre il en a fait 13. Total des frags 78. Excusez-moi. Eh ben j'ai pas mis l'autre parce que c'était de la grosse merde. Mais c'est surtout parce que mes coéquipiers étaient nazes. Ok, j'ai monté de level, nickel. C'est parti, infligé. Oh putain. 10 frags. Gagné 2000. Petits objectifs, j'y retournerai peut-être. Niveau 93. Pathfinder. Leader du public. Ah, ça comptait pas les... Merde, bon tant pis. Alors, je voulais aussi vous montrer un petit truc. Attendez deux secondes. Dan, donc, et là-bas, 8 francs. Alors, avant de voir l'épisode... Partie jouée 1 et victoire 1.
Voilà, donc là, après, je l'ai plus du tout joué, Newcastle. Sauf pour montrer que, bah, première game, première victoire. Voilà, c'est tout. Ah, c'était Pathfinder. Avec des petites précisions. Ok. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Alors, ensuite, l'histoire. Chapitre 5, échange troublant. Les derniers volus. Excusez-moi, les dernières volutes de fumée se dissipent autour de nous, au beau milieu de cet entrepôt. Face à un canon mitrailleur, notre position est loin d'être idéale. J'ai toujours rêvé de flinguer une légende, et je vais pouvoir m'en faire trois. Mirage fait une blague déplacée. Je l'ignore. Oh, le regard de Mangalore se fixe sur la sortie. Elle se demande sans doute si elle peut l'atteindre sans se faire descendre. Écartez-vous, les gars. Les mercenaires se dispersent tandis qu'Anita fonce vers la porte. Bon sang! Je la rattrape à toute hâte et la tire dans le vide pour nous téléporter derrière un tas de palettes juste avant qu'on se fasse tirer dessus. Qu'est-ce qui t'a pris? J'allais m'en tirer toute seule. Je crois pas, non. Elle lève les yeux au ciel, mais une rafale de tir fait voler le bois en éclats au-dessus de nos têtes. Bon, commençons par nous occuper de ce type. Le mercenaire est enfin à court de balles. Je jette un œil à ce qu'il reste des palettes de notre abri. Elles ne supporteront pas une nouvelle salve. C'est maintenant ou jamais. On se lance en direction d'une caisse de butin, mais un mercenaire se jette sur Bangalore et un autre se dirige vers moi. Le talon de Brangalore heurte le mien alors qu'elle évite un coup. Fais gaffe! Je te signale que j'ai essayé de t'aider. Et Mirage, il est où? Mon coude atteint Brangalore dans les côtes, elle me jette un regard furieux. Bon sang, laisse-moi de la place! On n'est pas synchrone, et on le sait toutes les deux. Ça ne serait jamais arrivé au jeu d'Apex et elle n'aurait clairement pas eu ce problème avec Newcastle. Elle projette son adversaire dans le mur, puis pivote pour faire face à celui qui se dirige vers elle. Je frappe un mercenaire au torse d'un coup d'épaule, je vais pouvoir lui donner de la place. Cette fois, je vous tiens. Le gros mercenaire braque son canon dans la direction de Bangalore. Dans ma direction, Bangalore se met à couvert derrière une étagère de caisse métallique. Je m'apprête à la suivre, mais. Attention, malgré son avertissement, un poing vient de se loger dans mon ventre et me coupe le souffle. Je me retrouve à genoux, sans abri pour me protéger dans la prochaine série de tirs. J'essaye d'ouvrir le vide sans succès, je n'ai pas l'énergie nécessaire. Mon cœur s'emballe, je n'ai pas d'autre choix que de fuir. Hé, ça boum! Tu sais que t'es plutôt balèze, sérieux, j'avais encore jamais vu ça. T'arrives encore à passer les portes? Mirage vient là. Quel mercenaire qui s'en retrouve décontenancé. Il est minuscule comparé à lui, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je sors de ma stupéfaction quand Mirage, le vrai, m'attrape le poignet et pose son nom sur sa bouche. Un autre Mirage se fait entrer derrière le mercenaire au canon mitrailleur. Tu ne dois pas non plus tenir sur des toilettes standards. C'est sûrement pour ça que t'as les cuisses hypertrophiées à force de tenir accroupi. C'est quoi ce foutoir? Avançant! Les lèvres se font vite trucider, mais le vrai Mirage. Là, je me tends la main et me tire vers lui. Je sens mon système de camouflage me recouvrir. Quel soulagement. La fumée nous enveloppe et le chaos reprend de plus belle. Sous une pluie de balles, nous courons vers les étagères derrière lesquelles Bangalore s'est replié. Il faut qu'on sorte d'ici et vite. Un peu, ouais, ce mec est un fou de la gâchette. Pire que Rami. Il parle de rempart là. Je tombe soudainement en pleine course. Je m'arrête pour me retourner quand. Derrière toi, attention! Un autre mercenaire, je la dé. Une autre mercenaire, je la désarme, mais elle s'approche de moi avec un gant mécanique lumineux. Ah. Sa main gantée intercepte ma lame et force pure, hein, nous faisons jeu égal. Aucune de nous ne veut céder quand soudain. Docteur Blaisé. Mes bras se mettent à flancher. Je regarde la mercenaire à l'autre bout de ma. Enfin, incrédule, elle me fixe dans ses yeux écarquillés. J'ai soudain un déclic en voyant la marque de brûlure qui part sur son épaule gauche et disparaît sous son gant. Je ressens comme un pincement. Est-ce que je la connais? Elle se recroqueville et se laisse tomber au sol en tremblant. Non, 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 non. Je vous en prie, docteur Blaisé, laissez-moi, pitié, non. Ignore-la, laisse-la, on te tire dessus. On me pousse à couvert juste avant que les balles ne se mettent à fuser.
En me tournant, je vois Mirage qui fait pression sur ses côtes douloureuses. C'est une amie à toi, elle n'y va pas de main morte. Je regarde la mercenaire à travers l'écran de fumée, la tête embrouillée par toutes les autres voice. Et je vois, et vois la lumière de son gant disparaître. Je ne sais pas. Sans dire un mot, il pose la main sur mon épaule. Il sait parfois quand les mots sont superflus. Je crois que notre sergent instructeur a besoin d'un coup de main. Je passe à droite et toi à gauche. Je me reprends, inspire à fond et acquiesce d'arrangement de tête. Suivant, motif et motif. Ok, donc là il y a un truc avec Race aussi. Docteur Blazé, c'est vrai qu'on n'a pas le vrai nom de Race. Merde. Bon. Bon, et ben voilà, on va se retrouver peut-être pour encore de l'histoire ou un des autres events. D'ailleurs, je suis presque au niveau 500. Allez, merci d'avoir regardé cet event, l'event de l'éveil. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, à plus.